Bon, on va libérer l'écaille. Bonjour Eva. Mais bonjour. Ça va? Bon, voilà, je coupe de l'impossible. Bon, on va libérer l'écaille. Alors, Kaikai, je te laisse entrer et libérer la porte de l'autre côté. J'ouvre la fenêtre, c'est ça que tu veux dire? La fenêtre, ouais. Alors évidemment, c'est une bestiole à la noix, il est 10 brouettes de terre. Hein? Comment dirais-je? Ça commence à faire des trous, mais bon. Donc voilà. C'est toi la spécialiste? Allez, on va voir si elle sort ou pas. Hein? Voilà, ça c'est l'enclos d'écaille. Et ça c'est la fenêtre. Il faut que ma femme arrive à rentrer dedans déjà. Quoi? C'est un peu bas la porte. Ah oui, ouais. C'est un peu bas, elle a dit. Vous voyez, il se passe quelque chose. Il me semble que la partie articulée, c'est ça, non? Ça, c'est l'ouverture. Et vas-y doucement parce qu'elle a tout cassé la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je te les envoie après? Non, non, tu les laisses. Faut les laisser ouvert, quoi. Bon, alors, vous voyez, elles sont là. On va laisser ouvert et on va voir ce que ça donne. Hein. Je crois qu'elles vont avoir une idée de nous. On va voir. En tout cas, voilà, c'est ouvert. Là, il y a les bestioles. Coucou les bestioles. On va voir ce que ça donne. Je vais regarder là. Je suis pas persuadé qu'elles aient trop. Ah non, c'est pour ça que je m'étais dit. Voilà, il me semble qu'il y a. Tu veux essayer? Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Est-ce qu'elles auront l'idée de revenir après? Bah, de toute façon, à un moment ou à un autre, je pense qu'il va falloir. Alors c'est marrant d'ailleurs sur les tutos ils disent que les cailles de chine ensemble un couple ça va mais pas plus quoi. Ouais. Non, ils avaient dit quoi d'en mettre plusieurs au moins? C'est ouais, quand ouais, tu les avais pris toi. Il y avait un mâle pour 5-6 femelles, c'est le cas. Ouais. Donc peut-être voilà un grillage souple au-dessus, tu vois, pour pas qu'elle se fasse mal parce que ça tend à se sauter. Je sais pas. On va bien voir, hein. Bon, on va les laisser le temps de manger, puis on verra tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure les enfants. Bisous. Bon, je voulais vous montrer les habitants de la maison. Alors, il y en a une. Salut, ça va? Là, il y en a une deuxième. Elle est là. Et puis après, les autres. Et puis voilà les autres. Ça va? Bah ouais, tu vois. Ah, c'est très peureux ces bestioles. Donc voilà, tout le monde est là. Donc voilà, je voulais vous les montrer. À tout à l'heure.
Bon, eh bien, allez, on va découvrir un peu la réalisation du jour. Voilà, ça c'était toutes mes affaires, vu le nombre de coupures que j'ai fait, j'ai pris quelques précautions. Voilà, donc là on rentre dans le poulailler. Alors bah ça c'est la zone où finalement on a enlevé le grillage, on se sert uniquement de l'armature pour supporter le grillage et puis de faire une autre truc. Là il y a quelques poules qui sont en train de se balader. Voilà, le coq est là. Et puis donc voici là, là toute la zone qui est de nouveau fermée. Cette zone-ci maintenant c'est la zone d'écailles. Donc bah, il y a un portail. J'ai réinstallé la porte. Et puis voilà, donc bah, j'ai réinstallé de la terre un peu partout, hein, vous voyez bien ce truc. Voilà, donc ici demain, et bien ça sera ouvert. Cette petite zone là, cette fenêtre là, elle sera ouverte. Ce qui permettra et bien notamment de laisser passer les cailles. Là, et bien tout est fermé avec un grillage beaucoup plus fin qu'avant. Ça va empêcher les cailles, les animaux, etc. d'arriver. Évidemment, bah, j'ai tout fermé de A à Z. Alors avec du grillage beaucoup plus fin, tout est doublé partout de A à Z. C'est vraiment un boulot de titan. Alors comme bah, j'avais commandé du grillage mais qu'il n'est pas arrivé, bah, j'ai fait avec tous les petits morceaux. Ça c'est ici, c'est des morceaux de bois qui ont permis de calfeutrer bah, tout le coin. Donc bah, voilà, il y a encore quelques petites zones, mais là ça va le faire. Et puis bah voilà, cette zone-ci. Voilà, donc voilà, tout est calfeutré. Ça a été compliqué de calfeutrer là au-dessus, puisque bah il fallait pas que les cailles puissent y accéder. Donc bah voilà, mais voilà, il y avait un grillage, mais vous avez vu, il était trop gros, trop épais, et des fois de temps en temps il y a un chat qui arrive à passer. Ici, voilà. Donc voilà, et puis ensuite il a fallu calfeutrer les trous, récupérer la terre de la piscine, on en a parlé tout à l'heure. Et puis voilà. Et donc bah voilà, maintenant on ressort, donc bah, il a fallu que je réinstalle tout et ainsi de suite. C'est un sacré boulot. Demain, eh bien, on va continuer à réempirer, remettre de la terre là-dedans. Ici, voilà, vous avez vu que le coq, bah, finalement, il se fait respecter. C'est plutôt pas mal, hein. Il se fait peut-être un peu trop respecter des fois. On peut être mis à imaginer la chose. Voilà, et puis bah, voilà, la nouvelle zone. Alors c'est une bestiole, la noix, c'est tout le temps en train de chercher les trucs. Dis bonjour à la caméra là, oui, là, avec, voilà, là il y a le bassin. Donc pour l'instant ça pose pas trop de soucis. Et puis bah, voilà. Donc demain on libère les cailles. Il y a encore quelques petites choses à faire, notamment au niveau ce que j'aimerais arriver à mettre, c'est des perchoirs, un petit peu plus pour qu'elles se sentent plus à l'aise. Il faut aussi que j'arrive à mettre un perchoir bah, là, qui sort de la fenêtre pour qu'elle puisse être tranquille. En tout cas, du moins pour cet été, ça sera parfait, puisque bah, il fait vraiment très très chaud, ils annoncent vraiment une grosse température. Il y a une deuxième zone intermédiaire, un jour on pourra peut-être éventuellement la fermer pour éventuellement, je ne sais pas, on verra. Là je vais remettre de la terre, mais vraiment beaucoup ici, pour recombler tout ça. Ça tombe bien, il y a toute la terre de la piscine, de ce que j'avais pas, je savais pas quoi faire. Et puis bah voilà. Bon voilà, c'est le travail de la journée. Il y a toujours l'entrée ici. À jour, il faudra peut-être faire une entrée de l'autre côté pour les cailles. C'est encore un autre boulot, vu que vous n'avez pas remarqué, mais l'épaisseur de la chose, c'est quand même assez important. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, on n'a jamais eu trop de prédateurs. Bon, après, nous, on est tout fermé, donc avant que les prédateurs arrivent, il faut quand même qu'ils s'y mettent. Hein, depuis à peu près 2 ans qu'on a les poules. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, et donc bah là, ça c'est pour l'instant l'endroit où le coq dort. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, à environ 7h du soir, bah, ils sont tous tranquilles. Quoi. Voilà. Et ben, on vous souhaite une bonne journée. Essayez d'être zen pendant ce confinement. Je sais que c'est vraiment pas facile, qu'on fait partie des privilégiés, mais. Ben voilà, il faut se dire que c'est le moment de faire tout ce qu'on n'avait pas fait. Donc chez vous, vous pouvez bricoler, vous pouvez bouquiner. Il y a plein de trucs à faire, et tant qu'il fait beau, ben, il faut en profiter un max. Voilà, et ben à plus tard, salut. Bon allez, le poulailler est terminé. Je viens de mettre environ une dizaine de brouettes de terre. De terre pour renflouer la deuxième partie.
Donc on va pouvoir libérer les bestioles. Voilà, donc j'ai fait la même chose dans l'ancien ici, ça commence à s'exciter. Première chose, on libère le coq. Allez, hop, voilà, il devrait sortir. Il va sortir, si je le sens. Coucou, salut, ça va? Et voilà, voilà, maître coq. Comment ça va, maître coq? Ok, allez, on va lui libérer ses poulettes. Alors, première chose, ben, on verrouille la porte. Deuxième chose, ici vous avez vu les cailles, on va vous libérer à midi. Et là, et ben voilà, là, on libère les poules. Donc là, normalement, il devrait y avoir la rencontre avec le poulet. Voilà. Et voilà. Et attention, là, ça va donner. Bon, bah voilà. Bon, comme vous voyez... Maintenant, il y a un peu de boulot. Oh, il y a une superbe araignée qui est en train de s'installer. Il y a quelques escargots. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Ah, il y a des escargots ici. Il y a tout un petit écosystème qui a commencé à s'installer. Bon, il y a des orties, il faut que je m'occupe un peu plus tard. Voilà, le poulet qui fait la course. Bon, les cailles, on va s'en occuper un tout petit peu plus tard. On se retrouve tout à l'heure. Hein, on se retrouve tout à l'heure. Pour le reste des événements, bisous à tous. Bon, voilà, je coupe de l'impossible. Bon, on va libérer les cailles. Alors, caille-caille, je te laisse entrer et libérer la porte de l'autre côté. J'ouvre la fenêtre, c'est ça que tu veux dire? La fenêtre, ouais. Alors évidemment, c'est une bestiole à la noix, il est 10 brouettes de terre. Hein? Comment dirais-je? Ça commence à faire des trous, mais bon. Donc voilà. C'est toi la spécialiste? Allez, on va voir si elle sort ou pas. Hein? Voilà, ça c'est l'enclos d'écailles. Et ça c'est la fenêtre. Il faut que ma femme arrive à rentrer dedans déjà. Quoi? C'est un peu bas la porte. Ah oui, ouais. C'est un peu bas, elle a dit. Vous voyez, il se passe quelque chose. Il me semble que la partie articulée, c'est ça, non? Ça, c'est l'ouverture. Et vas-y doucement parce qu'elle a toute cassée la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je te les envoie après? Non, non, tu les laisses. Faut les laisser ouvert, quoi. Bon, alors, vous voyez, elles sont là. On va laisser ouvert et on va voir ce que ça donne. Hein. Je crois qu'elles vont avoir mis des doigts. On va voir. En tout cas, voilà, c'est ouvert. Là, il y a les bestioles. Coucou les bestioles. Bon, je voulais vous montrer les habitants de la maison. Alors, il y en a une. Coucou, salut, ça va? Là, il y en a une deuxième. Elle est là. Et puis après, les autres.
Et puis voilà les autres. Ça va? Bah ouais, tu vois. C'est très peureux ces bestioles. Donc voilà, tout le monde est là. Donc voilà, je voulais vous les montrer. À tout à l'heure.